Bienvenue dans l'épisode 23, 24 même. Nous sommes sur Salomax FM 97.2. J'espère que t'as la patate, j'espère que tu te portes bien. J'adore cette radio. Un peu gay, mais ça donne envie de bouger ton corps. Bon les gars, on est devant chez Lester. Je crois que je fais chier tout le monde, je suis mal garé. J'espère que tu vas bien. On commence direct avec la mission, je pense, du braquage. Ça va bien se passer. Pourquoi il rentre dedans? Manette pourrie quand tu nous tiens. Parce que mes manettes, elles sont de pire en pire. Depuis que j'ai rejoué à Call of, ça les a défoncées. Allez Lester, fais-moi rêver, vends-moi du rêve. What's going on? Oh, just enjoying a little labor dispute. See, we're about to do something really, really bad. So I need to present myself as a proper textile magnet. So you stop making anything? Nothing looks more suspicious in America than someone who's actually prepared to make something. Jesus. What about you? Oh, pocket, Trevor. We're having some problems. Brad. Yeah, what else? Now, so anyway, the Union Depository is on hold for now. Can't do it without him, especially now that he knows. Thank God you guys are here. You alone? Davey, where's your boyfriend, Steve? He's on his way up. Yeah, they're up here. Listen, the shit's about to hit the fan. Our entire lives together has been nothing but a series of fans and shits. Sort this problem out for me, and I will get Mr. Leisureware off your back. And if we don't? Then I will go to jail and you will get shot. Ah, fuck you, Dave. I've heard it all before. Not like this, you haven't. Has he briefed you? Oh, why, yes, he has. He told us that if we do what you say, then together we can take down the big bad wolf that is government corruption. Yeah, and if you don't, we're all gonna fry, because the agency's onto us. I've even got some fools in our own bureau that are questioning my methods. Think I'm a liar, a cheater, some kind of a killer and a thief! So? So, there's some, evidence, and I need you guys to find out what they know. All right, so what? You want Lester here to hack into the system, wipe it all clean? Oh, no, that will not work. The only way to access it is through your buildings. Fuck me. Michael, you'd be doing me a very big favor. And if you do this, I will make sure that all your files are deleted. I promise you. Hey! It's the last thing we do, and we're done. Period. Of course! I'm a man of my word! Dave, let's go! Come on, Lester, let's go. Good luck, gentlemen. Un homme de parole. Moi, j'ai du mal. Take us to the FIB building. Parking lot. Moi, j'ai du mal à croire que ce mec, c'est un homme de parole. C'est une vraie pourriture. Déjà, s'il est dans le FBI et qu'en plus de ça, il fait que des conneries, il y a du mal à croire que c'est un homme de parole. On va se diriger tranquillement, mais sûrement, sur le point jaune. Et on va voir ce qu'il faut faire. Parce que j'ai toujours pas lu ce qu'il y avait dessous. J'ai fait autre chose. Attendez, j'ai un problème. J'ai vraiment ma manette qui déconne. Je vous jure, j'ai fait cette touche là. Pour freiner, il m'a éjecté le gars. Non, ça veut dire que j'ai la touche triangle qui déconne. C'est super. C'est magnifique. Je vais tenter une dernière fois. Et si... Donc je peux passer par là. Et si vraiment ça rebug, ben je prends une manette pourrie, mais un petit peu moins pourrie. Et j'avoue que j'ai pas envie de changer de manette maintenant, en fait. J'ai failli en acheter une d'occasion. Mais même d'occasion, dans quelques semaines, c'est la PS4. Donc même si j'ai pas la PS4, on monte, on descend, on fait quoi? Je parie qu'il fallait pas monter. C'est ça? Ouais, il fallait descendre. Et même si j'ai pas la... Pousse-toi. Même si j'ai pas la PS4 tout de suite... Il paraît que la manette PS4 est compatible avec la 3. Du coup, je me suis rajouté 2 heures de trajet, c'est super. Pousse-toi. Hop là, petit virage. On évite par là. Non, parce que c'est vrai que c'est catastrophique quand même, je voudrais pas dire, mais... Normal. Ils font que tourner dans ce truc. T'es en phase 2, tu peux être
sûr et certain que les gars, ils vont tourner, quoi. Là, je crois que je suis arrivé au point. On freine, tranquille, on se calme. Point de repère. Voilà. You should be coming out here soon. Attendez la voiture du concierge. On va attendre la voiture du concierge. Le voilà. Chut. Something's coming. Bon, pour centrer la caméra sur la plaque minéralogique. This is not the car c'est pas la voiture qu'on recherche. So, what do you think about this whole messed up situation? I think they'll either kill you after this is done, or keep you doing these stupid jobs until they don't have to kill you because someone else has done it for them. Yeah, that sounds about right. Bon. Genre de mission à la con, ça. Hein, on va passer 3 heures. That's it? Mais je sais pas. Plaque minéralogique. C'est that's pas ça. That's not it. So what do we do? Oh, what can we do? We do the job. And maybe you can delete the files. En fait, on va se rendre dans un appart, c'est ça, en gros. Yeah, well, a way out is exactly what I need. Allez, dépêche-toi, concierge, casse-toi. On n'a pas que ça à foutre, à rester dans une bagnole comme deux vieux geeks. Ça, c'est une voiture de concierge. Ooh, ouais, c'est une voiture de concierge, j'en suis sûr. C'est parti. Yes, I. Another guy. It's hard to get motivated on a job without financial incentive. You can't put a price on freedom. Well, that spur won't be there for the crew. I'm gonna ouais, parce que ouais. La liberté, c'est pour Michael, mais tous ceux qui sont là pour l'aider, ils ont pas un copec, hein. Yeah, see what you can bon, do. Pour un café, hein, si je te dise. En attendant le concierge. Est-ce que c'est lui? That's the one. C'est lui. You know the drill. Couple of car on a deux voitures d'écart. Bon. On va essayer de pas fail. On va y aller tranquille. So what's gonna happen when this guy gets wherever he's going? He's gonna get his severance package. Pardon. I can't tell if that's some creepy euphemism or a plain statement of facts. It's whatever. On va rouler peinard, on va suivre le concierge jusqu'à son point d'arrivée. Take the next right. Prochaine à droite, ouais, tranquillou. Il est toujours par là. Moi ça me stresse les. Hey, you mind? Put away the smartphone or pad or whatever the hell that is for a minute. No surfing while I'm trying to tail this guy. It's work related. Yeah, well, I'd prefer all hands on me connaissant, je vais te fail le truc en deux secondes. C'est sympa une voiture sans porte, regardez. On n'est pas bien là. Hein? Incognito. Personne ne nous remarque. On est tranquille. Non mais je veux dire, un barbu complètement rasé dans une voiture sans porte et l'avant défoncé, ça n'attire l'œil à personne. C'est ça la filature. Qu'est-ce qu'ils peuvent parler? Je crois que dans ce jeu, ce qui m'a le plus fatigué, c'est les dialogues pendant que tu conduis, quoi. Surtout que moi je n'ai fait l'émission que pour le let's play. Donc je n'ai fait que parler par-dessus leur dialogue. Mal à la tête. Allez, on y va. Dépêche-toi. Elles étaient censées me laisser tranquille. Dépêche-toi. Dépêche-toi, je te dis. Tu cherches quoi? Des chiffons. Voilà, là j'ai fait n'importe quoi. Là, j'ai eu de la chance. Voilà, ben non, désolé. La gamine qui est rentrée, échec de la mission. Deuxième tentative. Car la première a fail. J'ai la petite qui est rentrée chercher je sais pas quoi, elle m'a déconcentré, j'ai regardé l'écran, boum, je rentre dans le gamin. On va laisser passer cette voiture devant. Voilà, comme ça, on fait une filature propre et disciplinée. Je crois que c'est difficile, hein. Il s'arrête à tous les stops et je te prends les feux rouges. Et... Pff, vraiment, on a qu'une envie, c'est bah, d'aller à fond, quoi. Parce qu'il y a un moment, ça va, quoi. Je veux dire... pas là pour apprendre à conduire dans ce jeu, hein. C'est plutôt là apprendre à tuer, à braquer, à conduire n'importe comment. Range-moi ce smartphone ou je sais pas quoi. On se retape les dialogues. C'est génial. On roule à 12 km/h. Mission palpitante. Vraiment qu'il n'en reste pas beaucoup.
est parti où? Accélération. You're gonna need more than a janitor's license plate number. Let me work on some angles while you keep this car behind that one and between these white lines. That's it. I mean, other than a few missing expletives in terms of racial abuse, that was normal. My son in space. Normal, le gars. Allez, feu vert, on y va. This is one way to follow someone. Bon. We'll know it when we fuck up. Tout droit. I just spoke on se calme. We've got the budget to pull this off. Good. On y va tranquille. Là, il va tourner à gauche, au feu rouge, bien évidemment. Parce que si on n'attend pas au feu rouge, je vois pas l'intérêt. Hein? Autant se faire chier au max. Petit café. Mission incroyable. Come on. J'en ferai plein de comme ça. When he gets home? What do we need from him? We need cooperation and maybe his overalls and an ID. And if he don't cooperate? You know what it's like to clean up shit for Steve Haynes? He'll cooperate. Quand c'est vert, on va le laisser partir d'abord un petit peu. Pour faire style, je le suis pas. Voilà, on va laisser passer cette voiture. Non. You got a siren you want to turn on as well? You let me know when you're running your fieldwork masterclass. Voilà. Maybe I'll show up. C'est pas évident, hein. J'espère que ça va pas durer 30 ans la poursuite là. Enfin, la filature du monde. Voilà, là on le laisse tourner tranquille, on lui fait croire qu'on s'en fiche. Il est par là, tu tournes tranquille, doucement. Il attend quoi là? Voilà. Là il a tourné, je fais quoi moi? On y va. Maintenant, on sait. He's pulling up. Park down the block. On fait quoi? On s'arrête là. Hey Marilyn, how's that cable connection coming along? Fine, fine. Sorry, look, I'm busy. I'm busy. On fait quoi? Time to make Harvey an offer. Histoire de faire une proposition, histoire de tâter le terrain. On sort de la voiture? J'espère que je vais pas fail. Wallay. J'espère que je vais pas fail. On va lui faire une petite proposition. Tranquillou. Alors, je sais pas ce que c'est la proposition, mais on va lui faire. Suivez le concierge et entrez dans son appartement. Suspense. Non, c'est là, à mon avis. You got another one of those, Harvey? Who are you? The guy with your best interest card. Fill your pockets with money and all you gotta do is take a little vacation. Hey, I work two jobs, man. Take any break I can get. Good. Hey, you want the beer? Nah, just take the overalls. Oh, and your ID. It's in there. Oh, and Harvey. I probably don't need to say this, but you don't play ball, I'll be forced to do something I really don't want to do. Enjoy your beer. Normal. Le mec, il rentre chez toi, hein, il te prend ton sac, il se barre, tu sais pas qui c'est. Mais avec l'impact de Moïse, même pas tu rebelles. Moïse, il est comme ça, regardez. Moïse, c'est un fou. C'est un fou. Allez, on y va. Alors, on a la caisse. Et on va bien voir ce qu'on nous propose, hein. Ça a marché, oui. Oh yeah. Ramène-moi l'usine. Bon, 1,50 km de bonheur, usine de vêtements. J'ai pas trop compris ce qu'il y avait dans le sac parce que forcément, si tu suis pas l'histoire, tu sais pas ce qu'il y a dedans. Bon, on va comprendre une fois l'usine de vêtements. Je vais m'appliquer sur cet épisode. Le début est un peu catastrophique, pardon. Hop là. Ça, c'est du freestyle, je te le dis. Merde, je regardais la map, désolé. Ce que j'ai envie de te dire, à 900 mètres, ok? Parce que là, franchement, pas. Voilà. A tout de suite. Bon, nous voilà arrivés à l'usine. C'est superbe. Hop, tiens, il y a Franck là. Ah, il est déjà ici. Il est où le sac? Normal, plus de sac. C'est resté dans le coffre. Excuse-moi, l'handicapé. Non, c'est moi qui m'excuse. Franklin. Faut que je lui parle. Je suis énervé. Hey, what's the problem, dog? Steve fucking Haynes. Of course it's Steve fucking Haynes. It's always Steve Haynes. That is not strictly true. It's either Steve Haynes or it's Trevor. It's his family. It's always one of them. Yeah, that's true. It is always one of them. Well, fat old fuck with a horrible family and even worse friends. I told you, Franklin, I ain't a good role model. Period. Yeah, whatever, dog. It's either this or dealing dime bags. The bullets come cracking at your ass either way. Yeah, thanks. We need to find out something
about this FIB building, a weakness or a way in. Next time I meet a morally destitute, totally delusional, highly corrupt government agent. I hope he's a nice one. Man, I'm not going in that motherfucker by myself. No. Nobody is going in. We need to do some recon. We need a little more information. She. I need the architectural plans, but they're not online anywhere, so I'm gonna need paper copies. Now, the architect's name is Chip Peterson. This was his first big commission, and the office is down in Backlot City. All right. Franklin, you go tell him for a little while, and then we'll talk. All right, dog, I got you. Try not to hurt yourself. Oh, good. Alors, Lester, je sais pas ce qu'il était en train de regarder. Il regardait un tableau en liège vide. J'ai fait une mission, là ? Oh là là. Franchement, j'avoue qu'il y a des missions, et ça va que dalle. Là, voilà, c'était sympa, mais bon, il n'y avait rien de spécial à faire. C'est même pas, non, je peux même pas dire que c'était sympa. Il n'y avait rien de spécial à faire. Voilà, c'était super. Du coup, on va enchaîner sur une autre. Tu vas me dire, du coup, ça fera la deuxième mission de l'épisode. Je sais pas où on va se situer. Je vais regarder si on est loin. Si on est loin, je fais un break. Si on n'est pas loin, je fais un break. On regarde ça en deux secondes, en live, tous ensemble. Je suis un peu loin. Là, c'est quoi ? Solomon ou chez moi. On va aller voir lui. A tout de suite. Bon les gars, entre temps, j'ai récupéré ma caisse qui était à la fourrière. On se retrouve devant Salomon. On va voir ce qui se passe. Ils ont l'air de se marave là-bas. Action. Go. Puce-toi. Set some fat fucking old jackass on me, please. Big man. We had a deal. We had paperwork. Hey. Fuck off, Johnny. Hey, you're a couple real badasses. Put a beat down on an old man. Yeah, we don't take that. We have a deal with them. Just about. Please, get those millennial ass wipes. Pleasure. You fuck what? Attends, chope-moi ces... Attends, on va aller prendre ma caisse. Il est mignon, lui. Elle est plus là, ma caisse, j'y crois pas. Hey, non, je suis obligé de prendre ce truc-là. Abusé. Entre-temps, j'ai la gamine qui est rentrée une deuxième fois. Maintenant, j'ai le cumulus. Hop, ta gueule. Voilà, allez, on y va. On poursuit Rocco. J'espère que Rocco, il va pas être trop chiant à suivre. J'aurais bien aimé prendre ma voiture de base, mais à la base, ils m'ont fait disparaître. C'est super. Moi, j'aurais préféré franchement voir ma caisse, toute tunée, avec un capot et un moteur de psychopathe. Mais là, le Rocco, je vais l'attraper, je vais le défoncer. Chaud patate. Attention. Excusez-moi. Forcément, j'ai toute la population à dos. Ils vont tous me faire des coups de... Regardez comme elle dérape cette voiture, mais elle est pourrie, sérieux. Attends. Voilà, c'est parti. Petit motard qui me double. Je devrais bien empaler celui-là. On va rattraper un petit coup Rocco. Rocco, il conduit bien. Rocco, il m'emmerde. Allez, petit virage. Pardon la moto, excusez-moi. Bon, toujours pas touché. Un peu galère quand même. C'est pas évident, hein. Elle sort de là. Vite. Ah mais ils se barrent ces enfoirés. Il est là encore hein. Voilà, de 1. Et le Rocco qui est en train de se faire la tchave là-bas. Bonne grosse course poursuite sur la National 7. C'est normal hein, au fusil d'assaut. Non, il veut pas me le... Il veut pas me le verrouiller. Allez, allez Michael, montre-nous que t'es Moïse. Montre-nous que tu cours très vite. Dépêche-toi. J'aurais peut-être dû prendre la caisse. Là, il va disparaître du champ de la carte et j'aurais tout gagné, quoi. Oh, il est bourré, lui. Allez, cours. Range ton arme, peut-être ira plus vite. Cours. Non, il va se barrer. Je veux pas faire un échec de mission, s'il vous plaît. Il va se barrer. J'aurais pas dû me concentrer sur l'autre. Il va se barrer, hein. Je l'ai perdu de vue, non ? Il court vite, hein, cet enfoiré.
il court vite. Pourtant, je suis au taquet là. Allez. Oh, mais c'est quoi, il a pris une voiture lui, c'est pas possible. Je le rattrape pas. Il y a du zodin là. C'est quoi, on va prendre cette caisse, on va pas se prendre la tête. Vas-y, dégage, s'il te plaît. Là, moi j'ai Rocco à rattraper. Il est là, Rocco. Il est par là, Rocco. Je le sens, je le vois. Il est où, Rocco? Rocco. Je te sens. Rocco. You pathetic millennials! On fait quoi? Mais il est mort, c'est bon. Un petit 12$. Quitter les lieux, tu m'étonnes. Allez, go. Bon, voilà, Rocco, c'est fait. On n'en parle plus, c'était du passé. Hein, fallait pas faire chier le vieux. On quitte les lieux, mission accomplie. Et avec un peu de chance. Voilà, j'appelle Salomon. I'm only a paraplegic. But you can't feel anything. You're throwing me softballs. Rum runner. But speaking of accidents, those guys had one. Oh, if only we'd met 20 years ago, Michael, maybe I wouldn't be in this mess. Yeah, you and me both, brother. Look, it's a pain, I know. Pardon. But could you come by the studio now? I got something I'd like to show you. Yeah, of course, I'll be right over. Bon, on va continuer, on va retourner au bureau du studio, voir ce qu'ils nous proposent. Des fois que on a une petite mission intéressante, comme ça on les enchaîne. Ça me fait plaisir, je te l'offre. 500 mètres, peut-être pas forcément faire une coupure, tu vas m'admirer en train de conduire ce magnifique 4x4, dernier cri. Un 4x4 de marque Hyundai, un hybride. Il est sublime. J'aimerais avoir le même chez toi, je sais. Tu es jaloux? C'est moi, mon micro, il pue. J'ai l'impression qu'il pue. Il va falloir que je lave mon micro. Voilà, hop. On va sortir cette merde. On va le rejoindre Salomon à pied. Ma superbe voiture est ici. En fait, elle était restée là, non? Je sais pas. Allez, on y va. Il y a de la grosse caisse ici, en tout cas. Ça, c'est certain. Come in! Thank you. Yeah, turns out maybe I'm cut out for the movie business after all, huh? My friend, you're a sentimental thug with zero artistic training and nothing interesting to say. I would say you're overqualified. Anyway, shut up and take a look at that. Oh. Fucking A. Feels good, doesn't it? Feels like I've finally done something with my life. Actually done something. A movie. Welcome to show business. Nothing but make-believe will ever feel quite real again. All right, Michael, come on. Let me show you some rushes. I think you're gonna love it, but it'd be great to hear your notes. Hey, baby. I just wanted to tell you, I'm finally doing something with my life. I'm making a movie. A real one. Call me. Bon, Michael, acteur de cinéma, le nouveau Rocco de Los Santos. Ça a pété de la bitouine. Parce que Michael, acteur de cinéma, je peux te dire que je vais tout fracasser. La mission est faite. On en est à combien là? 32 minutes. On va enchaîner. Je récupère ma caisse. On rentre à la maison. C'est parti. À la maison de Michael, on va annoncer la bonne nouvelle à la chérie, hein, comme quoi je suis un acteur incroyable, et on va voir ce qu'on nous propose à la maison. Je te dis à tout de suite, chez moi. Bon, nous voilà à la maison. On va rentrer la voiture dans le garage, pour pas aller la chercher à la fourrière à chaque fois. Oh, ok, je peux pas. Thank you.
Hey. But. Oh. Hey. I'm sorry I spiked you, okay? I get so mad and I can't control things, and then, you know, shit just falls on top of me. My life sucks right now, and I don't know what to do except I want to say I love you and hug it out. But all that wimpy shit is just. Well, I'd say gay, but I have some friends who are gay, so that's not cool anymore. And the ones that I don't really like, it's not because they're gay. So, lame, all right? You are just a lame and angry psycho sometimes. You do bad shit and things. I don't know if I love you, and I'm pretty sure I hate you a little bit, but I'm just so fucking upset that we can't even see each other. And you're just a drunk, lame dad. You know what? That might just be the nicest thing anybody's ever said to me. So will you buy me a car? What? I mean, not in the so will you buy me a car kind of way, in a completely off-topic can you buy me a car. I mean, firstly, I'm a fat shit that you ruined. And secondly, I will get a job and I will stop smoking pot in that sort of way, okay? I love you too, son. Now, go. Get a job, because I don't have the money to buy you a car. Besides which way, I'm probably gonna be dead in a couple weeks anyway. Please don't die, okay? Yeah, it's great catching up with you too, Dad. Yeah. Hey, how's your mother? Oh, she's great. No, she's not. She's bored. I mean, all this mesmerizing tantric sex she's been having with a much younger, better built, caring and compassionate man is great and all, but what's she gonna do for the other 6 hours of the day? What the fuck? I'm just winding you up, you miserable bastard. She's mad at you. She's scared that you're gonna die, and she wants you to go over there and prove that you give a fuck. All right, all right, all right! I can take a fucking hit. Let's go. We'll get Tracy on the way. Tracy, on the other hand, she's a star. Sort of. Bon. Le retour. Mom said she was at Bean Machine. Le retour du gros sac de fils. De la cochonne de fille. Attendez, moi j'en ai marre de cette caisse. Je sais pas pourquoi il me file à chaque fois cette voiture. Je veux la mienne, quoi. Ça, je comprends pas pourquoi je suis obligé de prendre celle-là. Elle est pas mal, mais j'aime bien la mienne. Fais chier. Elle est là. Sors là, mon fils. Viens, celle-là. Dépêche-toi. Voilà. Papa, il a fait un investissement. Papa, il a acheté une belle voiture. Et c'est celle-là qu'il veut conduire, papa. Donc, on va rechercher la madame. La madame, je pense qu'on va casser la gueule au monsieur qui est avec la madame. Qui s'occupe de madame. Mais c'est ma madame, c'est pas sa madame. Ça, faut qu'il le sache. Il va le savoir tout de suite. Those beast Hispanic dudes with automatic weapons and blacked out windows, they kind of made me think it was an involuntary exodus. Yeah. Okay. That'll work. There they are. Ils sont dehors. Caffeine. Come on. Ton ralenti depuis des semaines. Ah, mais il est avec Namasté. Lifestyle guru and a little bit more. S'en occuper de Namasté. Excuse me. I'm trying to write a screen. Shush, woman. Hey, Amanda. Fabian. Michael? Hi, Mom. Hi, Jimmy. This is too a picture of holistic well-being, I don't think. Hey. Maybe they shit once a year between them. Hey, oh! That's my son! Amanda, come. I have a new unit card on hold. You must pay for it. Hey! Hey! Buddy, I'm gonna ask politely that you show my wife a little respect. Red meat has been blocking your chi as well as your digestive tract. I ain't even gonna go there. I'm gonna ask you one time. Nicely. Michael, just hit him, please. Shush, woman! Anything for you, sweetheart. What are you doing? I had some really good work there, you dick! There's a lot more where that came from, Holmes. Is he alive? Yeah, he's fine. Listen, Amanda. I'm meaning to say to you, I just... What he's trying to say, Mom, is that he's a pathetic, old, drunken mess, and he needs you. And you could do a lot better than a prima donna yoga instructor with an anal fixation. Did someone say... Shut up! I guess we could try. All I'm asking for is a shot. Neutral ground. Dr. Friedlander's office. It's perfect.
All of us. I'll pick up Tracy and bring her there. Meet you? Fine. All right, you. Come on. Get up, you idiot. Yoga? No. No yoga. All right. You know where your sister is, right? Yeah. Let's go. Wait. But what about that sugar, caffeine, and emulsified pig fat flavored beverage I want? Another time. Oh. Come on. I want one too. Later. Il a de la graisse de porc. C'est vraiment un gros, gros crâne, ce gamin. Bon, en tout cas, maintenant, on va aller chercher la gamine. La mère, c'est fait. Le yoga obsédé du rectum, quelque part, ça pourrait être un membre de ma famille. Moi, je suis un peu comme lui. Le rectum, c'est un peu toute une histoire. C'est une véritable histoire d'amour, même, je dirais. Je kiffe le rectum. Tout ce qui est rectum, c'est comme ça. Faut me demander pourquoi. Le bullshoot, l'arrêt, la between. C'est toute une philosophie, tu sais. Va bah, trop bien cette voiture, je l'aime. On arrive au point jaune, ne vous inquiétez pas. Tout dans la sécurité, hop là. Petite marche arrière parce que sinon ça fonctionne pas. Allez, c'est parti. Donc ils sont au cinéma, c'est ça? Bim. C'est où qu'on rentre? C'est où qu'on rentre dans ce cinéma? Salon de tatouage plutôt, ouais. I'm looking for something hip that, you know, says I'm capable of violence, but I'm awesome in the sack. So listen, babe, if you want to make it in Vinewood, you got to do whatever it takes, even if whatever it takes is a depressed borderline alcoholic who hosts the third most popular talent show amongst the 40-year-old female demographic. So you'll let me on the show if I blow you? Yes, and if you could wear some black lipstick, the little guy loves the goth vibe. Oh. Whoa! Laszlo! Dude, that was entirely out of context, bro. Jim, you find the Inkslinger, sit on him. Laszlo here is gonna have a little cosmetic work done. No, please. Whoa, stay put, you lame-ass Mark. Sure, kid. What? Carré pour percer l'arcade. Tac, ça c'est fait. You popping a fucking tent over here, you fucking psycho! Hop là, le nez. On va refaire une guirlande. Ah, you gave me a pouty. Et l'oreille. Tac. Ah, oh, that looks pretty. Here, let's get rid of this. Oh my god! Papa Bear! What's daddy number two gonna think about this? Let's not get him involved. Let's do. Tatouer la poitrine. Just to be clear, I'm not paying for this, right? Look, are you gonna tell me what you're drawing? On fait quoi là? Is it a surprise? Ah, d'accord. Tac, tac, tac. Je crois qu'on est en train de dessiner un gros kiki, hein, j'ai l'impression. Just so you know, I've got a beachwear photo shoot next week. Ouais, c'est ça. Pas loupé. Je complète avec des poils. Le tatouage. You got like a camera phone or a mirror I can... Oh yeah, I'll get you a mirror. Smash you over the head with it. Oh, il est énervé. Snip, snip. Oh, this is a real one-stop shop. Tac. Oh, le pauvre. Oh, la dégaine. We can work this out. Like men, you know, if you catch my drift. Oh, no, that's my signature, my ponytail. Now I gotta get extensions. No, what you gotta get is my daughter, whatever she wants. Yeah, without sucking on your piddle stick. Look, okay, guys, that was a joke. I'm a clown. I'm a sad, lonely little clown. Hey, you're gonna put her on your show, and you're gonna make sure she looks good. Okay, I got a lot of juice in this town, but I mean, I'm not a miracle. Just do it! Yeah. All right, Trace, let's go. We gotta get to the therapist. What? So, I'll, like, call you or something, okay? Bye. Ever a family that needs therapy. My pony. How do I look? It's not good, is it? Bon, la famille psychopathe est réunie. Who knew you could use a tattoo gun? Maintenant, on va rejoindre la maman chez le psychiatre parce que je crois que tout le monde. Oula. Ah, mais du coup, c'est une deux places, ma caisse. Ew. Eh ouais, je suis le malin avec ma super voiture. Oh. On y va. Tiens, mon gros. Oh non, je suis obligé de voler une voiture, j'y crois pas. Bon. Non, pas ça. Vous inquiétez pas, papa, il va trouver une solution. Voilà, on y va tous à pied. Allez, suivez-moi. On y va tous à pied, c'est comme ça.
Faut que je montre le bon exemple. Je suis un père digne. Je ne peux pas me permettre de... Tiens, les enfants, on va faire un tour décapotable. Allez, dégage. Allez, monte. Le gros, il est où? Faut aller le chercher, cette feignasse. Bon, tu fais quoi, mon gros? Défoncé ou quoi? Il fait quoi, le gamin? Il veut pas monter. Qu'est-ce qu'il fait? Il bug. Oh! Pourquoi il monte? C'est une deux places, ça, là aussi? Mais non, c'est quatre places, mais monte! Allez, on y va, les enfants. On monte. Elle a pas assez de place aussi, j'y crois pas. Bon, les enfants, on va prendre celle-là. Hein? Pardon, monsieur. Allez, vite. Voilà. La famille tarée. En train de se faire poursuivre par les flics. C'est complètement normal. Maintenant, on va essayer de les semer. C'est super. Ça partait d'un bon sentiment. Hein? On avait fait juste 2-3 conneries pas méchantes. Et du coup, moi, je me retrouve à me faire poursuivre par la police. Superbe. On va essayer de trouver un petit coin. On va se cacher 2 minutes. Et on va laisser les étoiles défiler parce que là, c'est pas le moment. Allez, tourne ici. Voilà. Et on va attendre. Tranquillement. Que ça se passe. Voilà. Normal. C'est bon, ils nous ont zappé. 2,5 km. Ça a été tendu, mais tout le monde est en vie, en bonne santé, on peut partir en vacances. Faut juste que la gamine ferme sa gueule 2 minutes, et tout va bien se passer. Je vous dis à tout de suite au point jaune. 2,5 km, c'est beaucoup. Bon les gars, on est arrivé, on est à 17 mètres. C'est un peu le bordel, hein, j'ai tout pris contre sens, mais c'était un petit raccourci qu'il fallait prendre, c'était obligatoire. Voilà, on y est, c'est parti. Allez. Amanda. Hello. Good to see you again, Michael. I'm so glad. Isn't this great? Fantastic. Michael, be positive. I am being positive. This is me being positive. Give it up, Michael. The sarcasm. It's one of the reasons I moved out. It's beneath you. No, it's not, Amanda. Trust me. Nothing's beneath me. No, normally there's a whore beneath you. You know, for someone who spends every waking moment working on themselves inside and out, I gotta tell you, the progress has been really fucking slow. How would you know what progress is like, you stupid murdering shit? Gee, because all you do is whine at me. Oh, all I do is whine. Michael, could you please stop murdering people? Michael, could you please stop endangering me and the both of your children? You kill people and then you sit in the sun and drink and feel guilty about it. That is not... Work. I don't see you complaining on the way to the fucking bank. I mean, let's face it, Amanda. We're trailer trash, you and me. We were taught to do this. Get a center, Michael. You have no center. How about you suck my cock? Huh? No, wait. We'll both get a center. Before that ever happens. You are such a fucking animal, a deranged animal. You're fucking ain't right on deranged. How could I not be? I should have had you locked up years ago, you stupid shit. Do it. I'll put you in the fucking ground with the rest of them. And that's really all the time we have. Oh, great. I think we made some real progress there. Oh, Michael,
I hope this goes without saying, but family work is a little more expensive. What, double? Squared. Of course. Take care now. Hey, so you gonna come home with me or what? Guess we'll give it a try. All right, then. Kids! Bon, là, moins 4000. Wow, ça coûte cher son truc, oh. On rentre à la maison. Et tout le monde est content. Papa, il vient de lâcher 4000$. Il vient de voler une voiture pour que tout le monde puisse rentrer dedans. C'est ça, la paternité. Le devoir. Là, je crois qu'il faut prendre sous, c'est ça, hein. Ouais. Et tout le monde est content. Donc là, on va rentrer à la maison tranquillement. Petite mission qui sert à que dalle. Parmi tant d'autres dans ce jeu, quelque part, j'ai envie de te dire aussi. Et voilà quoi. Donc je vous dis à tout de suite devant la maison, parce qu'on va se taper 1h15 de dialogue entre eux en train de se rentrer dans l'art encore une fois. Et je crois qu'on en a plus rien à foutre en fait. Accélération. Mission réussie, 20 minutes pour ça, ouais, épisode terminé, c'est rien pas cette spéciale, mais vraiment, je vous dis au prochain épisode où j'espère qu'il y aura un peu plus de braquage et... Pourquoi on va parler là? Qu'est-ce qui se passe? Et un peu plus de bordel. Et je crois qu'avec mon ami Trevor qui est toujours en slip, ça risque d'être vraiment plus intéressant le prochain épisode. A plus. Last one standing. Again. What the?